Salut à tous les amis, c'est Turnip et bienvenue de nouveau sur The Surge où on découpe des exosquelettes et où les exosquelettes nous découpent bien plus souvent qu'on les découpe finalement. Aujourd'hui, avant toute chose, on a plein de thunes, on va essayer de le dépenser. J'ai pas assez de processeur cortico, bordel de merde. Est-ce que faut pas que j'améliore mon tube là pour la nana déjà? On va le faire. La nana veut un tube amélioré, je vais lui améliorer mon tube. Je peux améliorer mes jambes aussi. Et je ne serai pas compte dans la mesure où... ça me permettra sûrement d'être un petit peu plus résistant. Enfin... Oui, si, je passe à 11, oui, donc écoutez. Limiter les dégâts que je prends, sachant qu'il y a quand même des ennemis qui me one-shot dans cette zone-là. D'ailleurs, c'est assez scandaleux. Ça, c'est pour le fabriquer. Je peux en fabriquer des niveaux 2 très rapidement. Et il me faut toujours des processeurs corticaux. Il manque encore taquet. Ah non, si ça, il me faut des... Ah si, je peux construire des niveaux 2 tout de suite, donc c'est très bien. Donc si j'arrive à choper des processeurs Cortico Mark 2, ce qui a été le cas, j'en ai déjà 6, je pourrais peut-être terminer tout ça. Mais on est pété de thunes, et ce qu'on va faire, c'est améliorer notre noyau. Voilà, Adonf, on va stocker ça. Et on va voir au niveau des implants, on a un truc de plus. Alors qu'est-ce que j'ai? J'en ai plein des... Si je les détruis, il se passe quoi? Ça donne des pièces détachées. Bien. Et j'aimerais bien coller mon Vita Boost plus 3. Et passer à 123 points de vie. Ça va peut-être nous permettre de survivre un petit peu plus. Injection vitale, injection vitale. Les implants câblés ne peuvent être équipés qu'à des stations médicales. Les implants d'échange rapide peuvent être installés ou retirés n'importe quand. Ah, ah, ceux avec des... D'accord, ceux avec des triangles. Attends, mais non. Si, c'est avec des carrés, enfin des losanges, c'est des câblés, et des ronds, c'est des échanges rapides. Intéressant. Alors, comment je le sais exactement que c'est un câble? Câblage, câblage, injectable. Échange rapide. Ah ouais, d'accord, échange rapide, c'est les ronds. Ok. On en apprend tous les jours, hein. Alors là, c'est incroyable. Allez, on détruit ça, on récupère les 500 pièces détachées. Qu'est-ce que j'ai d'équipé exactement? On va tout trier. Alors, on peut pas trier par ceux qui sont équipés. Donc ça augmente mon énergie max. Très bien. Vita boost. Le générateur plasmique. J'en ai peut-être pas besoin d'autant. Potentiellement. Amplificateur d'agressivité. Ça c'est bien, mais je vais pas trop l'utiliser là. Oh, mais on est pas mal comme ça. Est-ce que je peux encore améliorer mon noyau un peu? Non. On va stocker tout ça alors. Et mon exosquelette n'est pas améliorable. Je sais pas trop ce que je peux faire à mon exosquelette. Est-ce que je peux améliorer terminal de com d'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à y faire. Que c'est au propos de David? Il est dans un sale état et il est toujours sous le choc. Il n'arrête pas de répéter qu'il a besoin de ses médicaments, mais je ne trouve rien dans son dossier. Ah bah tu mets d'une aide incroyable. Merci Sally. On te rappellera. Et donc là, je n'ai plus rien à y faire. Alors j'ai mon tube niveau 2, j'aimerais bien le donner à Ginette. Pas de nouveau contact. Bon d'accord, on se casse. On se casse. Alors est-ce que tous les ennemis ont repop? Bien entendu. Oh, j'ai bougé, merde. Qui contrôle la situation, je vais juste rester ici et les attendre. Ça je fais quelque chose. Terrifiant d'entendre tous ces bruits et d'être toute seule. Alors je vais essayer de passer à gauche cette fois-ci, tenez. L'exo-évaluateur est hors service. Alors ça, j'en suis fort navré. Bah, y a notre copain qui est là en fait, tout simplement, donc on va aller le voir. Je récupère cet amplificateur d'agressivité que j'ai déjà. Vous pouvez me faire démarrer? Protocole de sécurité actif. Journal. Temps. 96. N'aie pas peur, je te fais démarrer. Ça va, on entre potes. T'es content que je sois venu, hein, je pense. Oui, t'es content. Le gars, il s'est pris 220 000 volts dans le derche. Merci. Je suis assis depuis si longtemps que je sens même plus mes fesses. Ah bah non, mais ça, je pense c'est la décharge, hein. C'est la châtaigne que tu viens de te manger qui fait ça. Allez, ne me laissez pas tomber. J'ai failli me faire dessus plusieurs fois. Je m'appelle Hobbs. Dean Hobbs. Personne ne m'appelle. Vous pouvez me faire démarrer? Le gars, il a un mélange... Il mélange toutes ses lignes de texte. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, vieux. Rien.
C'est juste moi. Je fais partie de la maintenance. J'aurais dû laisser ça à la sécurité. Mais je me suis... Allez, vieux. C'était débile. Vraiment, je voulais vérifier les consoles de sécurité. Voir ce qu'elles avaient enregistré. Le gars, il est schizophrène. Il est de mon équipe. Allez, vieux, je suis bloqué. Et c'est là que mon exosquelette m'a lâché. Des interjections qui apparaissent pendant qu'il parle. Allez, vieux. Et il va plus bien. Il va plus bien. Bon, propose des consoles de sécurité. C'est quoi le... Créo en a quelques-unes dans... Avec tout ce qui se passe. Allez voir si vous... Hé, hey, mon pote. C'est super énervant en plus. Imagine que vous savez pas ce qui se passe. Je sais que dalle. C'était comme si mon cerveau était un œuf sur un grill. Allez, vieux, je suis bloqué. Je me suis réveillé avec la tête qui bourdonnait. C'était le bordel le plus total. Et tout ce que j'ai vu de... Vous pouvez me faire démarrer? Mais ta gueule. C'est quoi votre plan? Je vais sauver ma peau avant... Je vais en base d'opération. Ok, parfait. Bon. Hey, mon pote, attention à vous, mon gars. Par contre, ferme ta gueule vraiment, parce que si vraiment, si en base d'opération t'es toujours aussi relou que ça, on va pas être copains. Allez, vieux. Là, il manque vraiment une attaque sautée en fait. Il est où ton copain là? Il me faut des processeurs cortico, je suis désolé, donc je vais essayer de vous découper la tête assez souvent. Il faut pas m'en tenir rigueur, c'est vraiment pour la science que je fais ça. Je vais retourner essayer de voir Jin. Wouah! Donne-moi ce processeur cortical. Non, tant pis. Oh, par contre, j'ai un casque Rhino cassé. Intéressant, je peux peut-être l'améliorer. Et enfin, le créer et. Hop là. Et me faire un casque Rhino, on verra ce que ça m'apporte. Peut-être si j'ai un item de défense un peu sympa, ça va peut-être compenser le fait que je suis en train de me faire littéralement défoncer. Voilà, tout va bien. Qu'est-ce que c'était? Encore des matériaux. Oula, il fait le petit tournicota. Bien joué. Oh putain, cette double attaque, il m'a défoncé. En plus, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis plus du tout dans la hitbox du deuxième coup. Et en fait, si. Je suis bien dedans, même. Je suis bien dedans. Coucou, les copains. C'est bon, toi, tu parles plus, toi. Et je sais, j'ai trouvé ça. Allez, ça pourrait vous aider. Bah mon gars, tout ce que j'ai dit sur toi, je le... Okay. J'imagine que vous êtes pressé. Je le retire. Vous avez... Oh ouais, il voulait que j'aille lui chercher ses médocs. S'il croit que je vais retourner de... Des problèmes? Non, le pire doit être pas... Ouais, le pire doit être passé aussi. Hein. Bon, allez, on va récupérer un truc. Qu'est-ce que je meurs souvent dans ce jeu? C'est assez incroyable. Mine de rien, on avance quand même un peu. On sauve des gens. Veuillez revenir lorsque la zone sera sécurisée. Yop là! Petite tête ferraille recyclable. J'aurais peut-être dû me faire mon casque si je pouvais. Ouais, non mais il faut des processeurs corticaux dans tous les cas. Ce que je n'ai pas du tout. On va refaire. Où c'est que je suis mort? Je sais plus où je suis mort. Mais je crois que c'était genre dans le coin là. Non, mais je voulais vraiment me découper de la tête. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je voulais faire. Bon, on va te faire venir. Hein. Ce petit droïde, je ne suis pas bien sûr qu'il serve à grand chose pour le moment. Mais au moins, là, il a le mérite de... Ok, d'accord. Donc en fait, je ne peux pas bloquer cette attaque. En même temps, c'est un gros coup de masse. Donc... T'as bien failli me la mettre, toi. Allez, droïde, fais quelque chose. Ouais. Plus bougeant de ma vie. Merde, mais je suis mort où tout à l'heure? Ah, là-bas. C'était là-bas, ouais, je me souviens bien. Bim. Oh, oh putain, il m'a fait méga peur. Oh,
Ah, j'ai eu un petit... J'ai eu un petit sursaut dans mon cœur, là. Ouh. Il y en a des morceaux. Merde, je voulais pas... Bien joué. Non, non, bien joué. Franchement, honnêtement, rien à redire. Je vais t'arracher ta tête, par contre. Voilà. Ah non, je sais pas si... Je suis pas tout à fait certain de ce que je t'ai arraché. Je suis vraiment navré. Parfait. C'est toi qui m'avais tué tout à l'heure ou pas? Je sais pas dire. Allez! J'ai fait une petite attaque glissée pour tester. Ah mais j'ai l'impression que quand on tue des ennemis, en fait ça rajoute du temps au timer de récupération des pièces détachées. Oui effectivement, parce que je suis encore à 2 minutes. Et putain, l'attaque glissée elle fait mal. Je l'ai défoncé lui. Ouh. Ouais donc effectivement ça rajoute du temps, c'est intéressant comme mécanique. Et tant mieux j'ai envie de dire. Mais ça, je pense que ça explique aussi pourquoi j'ai l'impression que des fois je récupérais mon... Je mettais bien plus que 2 minutes 30 pour récupérer mes pièces détachées. Ah merde! J'ai été trop greedy! Trop greedy! Ah pourquoi mon énergie recharge d'un coup des fois, je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que mon énergie elle a des... Peut-être quand je tue les mecs en fait tout simplement. C'est juste ça ce qui se passe. Ah ouais bien. Alors, on n'est pas du tout dans la merde là. Ah deux ennemis simultanément. Là non l'autre il veut absolument regagner là où il était. Non j'ai même fou. J'ai même fou, je veux retourner à ma place. Wouah. Tu retournes à ta place, le gars il tient son poste quoi qu'il arrive. Oh putain j'ai eu la peur, j'en fais trembler ma table. Donc là c'est un trou dans lequel je pourrais tomber, donc je vais essayer de ne pas y tomber. Et là, elle était là, ah voilà, je vais essayer de lui donner mon tuyau. Elle attend mon tuyau depuis des lustres. Tâchons de ne pas la décevoir. Hey, vous n'êtes pas censé me Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Et si je vous disais que... Tous ceux qui m'ont dit ça m'ont... Bon. Mon tuyau renforcé. Ce tuyau, ça irait? À peine. J'espère que ça n'était pas tout. Donc il faudrait quoi? Qu'il soit niveau 3, mon tuyau? Mais oui, ne faites pas attention à moi. Bon, est-ce que je retente ce... Bah de toute façon, je vais pas avoir le choix. Et si vous n'êtes pas... On va se le retenter. Quelqu'un de spécial. On va se le retenter. Chez Créo, nous nous soucions. Dans le corps et l'esprit. Alors, faudrait que je me change de zone là. Ah. Ça, j'aime pas du tout ça. Allez, laisse-moi passer juste. C'est pas ça que je voulais faire. J'avais une attaque que j'avais décidé. Je vais tenter de faire l'attaque. Ouais, ça sert à rien. Putain, tu te retournes bien trop vite, mon ami. Ça, il aime pas ça. Non, non. C'est dégueulasse, t'as pas le droit de l'orienter ton laser. Trop lent. Allez, reviens. Oh, je suis pas bien là. La technique du je te tourne autour, ça marche toujours aussi bien. Je vais voir si mon petit droïde fait des dégâts ridicules, même en chargé ici. Oh putain, je suis pas bien. Oh, je suis désolé, ça lui a touché son cul. Hein. J'arrive pas à loquer la jambe, ah oui.
tenter, hein. Fallait le tenter la glissade. Je recharge, si je peux. Vas-y, vas-y, va te réparer. Bouge. Allez, allez, tu peux le tenter. Vas-y, tente de te réparer. Tente, tente. Allez, allez, allez. C'est ridicule, ça. Bim! Bon, je suis assez content. Je suis assez fier. Je sais pas si je peux le découper des membres à lui. Mais en tout cas, je suis assez content de ce qui vient de se produire. Alors, où c'est que ce serait intéressant que j'aille? Où serait-il intéressant que j'aille? Est-ce que ici, c'est bien? Je sais pas. Ça a l'air sympa, parce qu'il y a des gens qui courent, qui... Oh, ça va être très triste pour moi. Avec le système Dream Tour de Créo, vous pouvez aller partout dans le monde. Ah oui, je peux parler à lui, mais j'ai pas tellement envie. T'as bien failli m'avoir, toi, petit malin. Ah, voilà, voilà. Putain, les bruitages deviennent dégueulasses, hein. J'ai entendu le gars faire glorglor avant que je lui coupais la tête. À mon avis, c'est par ici, hein, qu'il faut que j'aille. Parce que là, j'en suis venu tout à l'heure. Bon, lui, ça l'a énervé, visiblement, que j'arrive, donc il s'est barré en courant. Ah, il y a un petit... Ouh. Ben, on va faire un petit duel, tous les deux. Viens là, viens là, viens là, viens là. X. Je pouvais appuyer sur X là, mais quelque chose me dit que c'était pas le moment. Eh bien. Viens. Viens où tu vas refaire ton coincé, là. Ils se coincent très facilement, ces robots, hein. Je suis assez étonné que ça fonctionne encore, ces machins-là. Où est-ce qu'on va trouver des gens ici? Alors, il y a lui qui va me tirer dessus. Lui, il est bloqué, bien entendu. D'ailleurs, ma manette vient de se déconnecter. Heureusement, ça met pause. C'est une bonne chose à savoir, parce que, putain... si la manette se déconnecte en plein combat, je vais bien rigoler. Tu fais quelque chose, toi? En fait, il faut juste le défoncer et... Ça passera au bout d'un moment, quoi. Voilà, 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 voilà. Tu fais moi. Ah bah, oh putain, au revoir! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Non, mais c'est n'importe quoi, ces robots, les gars. C'est pas étonnant que l'usine a merdé. Parce que s'il y a que ces robots-là qui se promènent. Forcément. Mais regardez-moi ça! Oh, par contre, il y a 7000 personnes là-bas. Là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, tu reviens, le robot là. Je n'en ai cure de ta décision. Je veux te défoncer. Allez, fonce-moi dessus. Fonce-moi dessus. Pas mal. Non, non, arrête de te réparer. Il fait quoi? Il se répare là ou il vit sa vie de droïde? Ou il a rebugué, il a moitié dans le mur? On ne saura jamais. Je pense qu'il a moitié dans le mur là. C'est pas l'air d'aller. Bon, bah on va le défoncer. C'est très chiant qu'ils buguent comme ça ces robots. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir quand même. Mais bon, je vais être obligé de le tuer parce que sinon il va me gêner. Ah bah voilà une technique d'ailleurs intéressante. Je charge mon truc. Ok, il est mort. Ah oui, c'est mon petit droïde qui l'a tué. Toi. Hop, on t'arrache la tête. Monter deux mains, c'est de mieux en mieux. Alors, est-ce que je peux les poule gentiment, les ennemis? Alors, lui, il s'en fout, il se fait tirer dessus par un droïde, en même temps, ça lui fait deux dégâts, donc... Je peux comprendre qu'il sent... D'accord, ok. Tu me faisais une feinte, en fait.
donc lui c'est fait. On a jeté son cadavre dans le vide parce que ça fait bonne impression. Moi aussi je peux balancer des bons tirs. Ça va pas être simple cette histoire. Comment je vais les atteindre ces cons? Ouais, pas comme ça visiblement. Vous savez quoi? Est-ce que je peux... Ah mais attendez, est-ce que je peux bloquer? Alors, la réponse semble être non. On va aller plus vers là-bas. Non, c'est ça en fait. Ah si, c'est ça en fait, il s'accroche à ce truc. Alors je vais te défoncer la tête jusqu'à que je puisse la découper. D'accord, tu vas pas me laisser faire, c'est un enfoiré. Bon bah je vais dépouiller sa gueule. Alors on a encore un étage à aller voir, c'est l'étage où il y a des robots qui font vachement de dégâts. Ok, donc j'ai fait le tour en fait. Putain mais c'est impossible de se repérer dans ce jeu. Exolévateur, ça m'a amené où ça? Ça me descend. Où que donc? Zone des tapis roulants. D'accord, ça me descend ici. Alors donc il y a un autre endroit que je n'ai pas exploré qui se trouve être derrière ce robot là. Donc on va aller chercher tout simplement ce robot là. Et on va tenter de le dépouiller. Non mais il est bloqué encore, mais c'est incroyable. Ah oui, les escaliers forcément. Il est pas bloqué là. Je vois pas dire. Bah tu peux me remercier, hein, je t'ai sorti de la grosse merde. Hein. T'étais bloqué dans un escalier. Franchement, c'est limite une fable de La Fontaine l'histoire. Le robot dans l'escalier. Continue à faire comme ça, c'est pas mal. Bim! Bon, on commence à un peu mieux le maîtriser, ils sont beaucoup moins compliqués. Tant que j'essaie pas de m'acharner en fait à faire les espèces d'esquives aériennes et en me baissant, ça passe. Je me la joue à la Dark Souls, c'est-à-dire tu tournes autour, tu fais ton nicotage, parce que le mec a envie de te frapper. Et qu'il soit d'avantage que tu puisses taper dans le dos gentiment. J'ai juste récupéré un Vita Boost niveau 1. C'est marrant qu'on puisse les combiner, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Alors là-bas, il y avait 700 personnes. Je n'exagère pas, bien entendu, je les ai comptées. Est-ce que... Ouh, ça sent le secret, ça. Oh. Cellule énergétique V1. Nouvel implant obtenu. Intéressant, c'est toujours ça de gagner. Alors, est-ce que je vais réussir à les faire venir un par un? Oui, non. Il semblerait. Ça fait être extrêmement triste. Voilà, ça en fait un de moins. Alors, je sais toujours pas pourquoi des fois je récupère. De vie. Wow. Vas-y, je t'attends. T'as un joli casque. Et voilà la double attaque qui me finit comme d'habitude. C'est juste méga violent. Au moins, on sait, ici, c'est assez simple d'y retourner, donc c'est cool. Alors je peux peut-être faire mon casque rhino par contre. Bah, si ce n'est que je n'ai plus de... Ah mais je peux même faire le casque rhino. Consommation d'énergie drone plus 30%. Dégâts protégés, dégâts non protégés. Non mais je vais juste faire mon casque classique.
Je n'ai pas assez de compos. Alors, est-ce que je vais avoir dans mon inventaire des compos? Oh oui, ça va être du consommable. Bon, voilà, j'ai gagné 4300. On va se dire entre nous que c'est bon. Et on se fait directement le Mark II. Bah oui, y a pas de raison d'attendre. Ok. Et ça, c'est une excellente nouvelle. On va l'équiper. My God, je n'ai pas assez d'énergie. Ça demande que un niveau de noyau. Je pense que j'aurai de quoi l'augmenter. Oui. Bon. Alors, on dépense ça là. Et on l'équipe. Face à 50 de résistance, j'ai l'air complètement con. Et ma vie ne change pas plus que ça, hein, visiblement. Bonus de cette, porter un ensemble complet de lingues confère une sorte d'augmentation de la vitesse d'attaque lorsque la santé est élevée. Bien. Pas mal du tout. Bonne journée. Alors il y a un truc un peu bizarre dans ce jeu, c'est le fonctionnement des armes, parce que du coup... J'ai plus tellement de motivation pour équiper d'autres armes. J'aime bien cette arme-là. En plus, plus je l'utilise, bah plus elle devient forte. Ce qui fait que si je voulais repasser sur un autre set type d'arme, ce serait super gênant. Mais on va le faire quand même. Qu'est-ce que j'ai comme arme sympa? J'ai la petite tronçonneuse, j'avais envie d'y repasser, on va la réessayer. En plus que ma vitesse d'attaque est augmentée maintenant. J'ai absolument pas fait ce que je voulais faire. J'ai appuyé sur Y, sur X en même temps. Du coup on l'a séché l'autre là, mais... Mais ça n'était pas nécessairement voulu. Un petit découpage. L'avantage de changer les armes, c'est que ça change les finishes. Et ça peut être une motivation en soi. Pas en plus, on sait pas comment il coupe les bras des gens. Mais comme un bourrin. Comme un bourrin. Faudrait que j'essaie au bâton, ça doit être bien sale. Bien joué, bien joué, non mais... En fait, je fais pas trop de combos. Je vois rien. Arrête. Tu as blessé quelqu'un, ce quelqu'un c'est moi. Si une personne, il faut pas que tu blesses. C'est moi. Bon, ça marche bien hein, la petite épée tronçonneuse là. Wow, 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 wow. Ah oui, effectivement, des combos sympathiques. Faudrait peut-être que j'apprenne à utiliser. Oh, il se fait déchirer, lui. Il a rien demandé, il s'est fait déchirer. Alors, il y a celui qui dort juste là, qu'on va... tenter de backstab. De pousser dans le vide, voilà. Au revoir mon ami. C'était ridicule. Ah c'est ici en fait qu'on peut passer. D'accord, donc lui il vient me chercher du coup. Ah, j'aimerais bien que tu tombes. Voilà, sans que je tombe moi. Putain, j'ai eu la frayeur de ma life. Ah bah si, il y a une attaque sautée, bah voilà. Alors, on a lui à se farcir. Et à mon avis, c'est faisable. Tout le monde dirait qu'il éternue là. Bien, 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 bien. On va bien s'entendre. Oh, je suis très mal là.
Ouf, juste assez pour récupérer ma vie. Recule, Bradford. Oh putain. Et je viens de perdre mes taquets de pièces détachées. Bon, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ça suffira pour aujourd'hui. Je me suis un peu fait rétamer. On a un peu avancé. On commence à explorer. On voit à peu près où il faut aller. Mais je vous avoue que c'est assez dur de se repérer quand même. Dans tous les cas, merci à tous. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur The Surge, bien entendu. Ciao.